Bonsoir ou rebonsoir, le débat du jour autour de la table, bien sûr, trois morts dans l'Aude, c'est le retour du terrorisme. On l'avait presque oublié, il ressurgit au cœur de nos vies, dans les rayons d'un supermarché, l'histoire se répète. Il ressurgit au cœur de la vie publique et vient défier l'autorité, l'histoire se répète là aussi, des larmes, des agendas bousculés, des cellules de crise. Oui, l'histoire se répète, mais pour combien de temps encore? Que nous enseigne ce nouvel attentat? On en parle et vous allez vous faire votre idée. Et pour en parler autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Proutot. Bonsoir Christian Proutot. Vous êtes le fondateur du GIGN et vous en avez été le premier commandant. Le GIGN qui était au cœur des événements cet après-midi puisque c'est lui qui a mené l'assaut et qui a permis sans doute d'éviter un bain de sang plus important encore. Bonsoir Nathalie Goulet, soyez la bienvenue. Sénatrice UDI de l'Orne, vous avez présidé il y a 3 ans une commission d'enquête parlementaire sur les moyens de lutter contre ces réseaux djihadistes. Et vous avez conclu avec 110 propositions pour une réponse globale et sans faiblesse. C'était le titre de votre... C'était pas mon rapport, mais c'était ma mission. Bon, c'était votre commission en tout cas. Bonsoir Rocco Contrinto, vous êtes policier depuis 25 ans et vous êtes l'un des responsables du syndicat Unité SGP Police, soyez le bienvenu, vous aussi. Bonsoir Frédéric Ancel, bonsoir. Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Vous avez publié récemment mon dictionnaire politique 2017. Géopolitique. Mon dictionnaire géopolitique 2017 aux éditions PUF. Et bonsoir à vous Georges Brenier, spécialiste police-justice de TF1. On va commencer avec vous Georges parce que vous nous proposez une photo, la photo du héros du jour. Cet homme, on va... découvrir son visage. Cet homme a effectivement fait preuve d'héroïsme. Il s'agit du lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. C'est le lieutenant-colonel du groupement de la gendarmerie de l'Aude et c'est lui qui a négocié avec l'assaillant pour prendre la place de la femme que détenait en otage le terroriste. Il a été blessé. C'est à la suite de sa blessure que l'assaut a été déclenché. Est-ce qu'on a des informations sur son état de santé? On va découvrir à nouveau cette photo de la Manche Libre, un de nos confrères de la Manche Libre, Georges. État de santé qui est très préoccupant puisqu'il a été touché par balle au moment de l'assaut au niveau de la gorge. Il est donc toujours hospitalisé à l'heure actuelle et inconscient. Et en effet, comme vous le disiez, c'est son intervention qui a permis non seulement de libérer tout d'abord des otages dans un premier temps, et ensuite de servir entre guillemets de précurseur à ses collègues du GIGN qui étaient informés en temps réel de la situation dans ce super U grâce à un téléphone portable que ce gendarme avait laissé allumer de façon volontaire afin que ses collègues du GIGN puissent entendre ce qu'il se passe. On est en direct, Emmanuel Macron s'exprime. A subi aujourd'hui une attaque terroriste islamiste à Carcassonne et à Trèves. Un individu a tué 3 personnes et en a blessé 16 autres, dont au moins 2 sont dans un état grave. Les forces de l'ordre sont intervenues avec une rapidité remarquable, à la fois pour contenir l'individu qui s'était retranché avec des otages, pour localiser l'une de ses victimes encore vivantes qu'il avait laissée dans les alentours, et pour donner l'assaut mené par le GIGN dès qu'il est apparu qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je veux ici saluer leur engagement et leur professionnalisme, mais aussi leur courage. Et particulièrement le courage d'un officier supérieur de la gendarmerie qui s'est porté volontaire pour se substituer aux autres otages et qui a été très grièvement blessé. Il a sauvé des vies et fait honneur à son arme et notre pays. Il lutte actuellement contre la mort et toutes nos pensées vont à lui et à sa famille. Le terroriste a été identifié. Il a été abattu pendant l'assaut et l'enquête devra donc apporter des réponses à un certain nombre de questions importantes. Quand et comment s'est-il radicalisé ? Où s'est-il procuré cette arme ? Tous les moyens nécessaires à l'obtention de ces réponses
seront mobilisés. Cet attentat a fait l'objet d'une revendication par Daesh, laquelle est actuellement analysée. Nous avons depuis plusieurs années payé le prix du sang pour savoir la dangerosité de la menace terroriste. Nos soldats à l'étranger risquent leur vie pour réduire la menace venue d'Irak et de Syrie. Nos forces de l'ordre sur notre territoire ne comptent pas leurs efforts ni les risques pour identifier les menaces et les neutraliser. Je veux ici les remercier et je veux aussi dire ce soir à la nation tout entière ma détermination absolue et la détermination du Premier ministre et de tout le gouvernement pour mener cette lutte. J'invite chacune et chacun de nos concitoyens à être conscient de la gravité de la menace terroriste, mais à être également conscient de la force et de la résistance que notre peuple a démontré chaque fois qu'il a été attaqué. Je vous remercie. Voilà, brève allocution d'Emmanuel Macron. C'est la troisième de la journée. Auparavant, il était à Bruxelles pour un sommet européen. Il avait déjà pris la parole deux fois. Il a été tenu au courant, bien entendu, à chaque instant. Et, en l'occurrence, il venait de présider un conseil, une cellule de crise interministérielle en liaison avec Gérard Collomb qui se trouve, lui, à Carcassonne. Là, il était place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Alors, on va d'abord retracer le fil des événements en regardant la carte, le terrorisme qui fait donc irruption cette fois au cœur de la campagne, tout près de Carcassonne. Voici les indispensables avec Jennifer Knock. Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. Comment se sont déroulées les choses aujourd'hui ? Eh bien, commençons d'abord par le terroriste. Le terroriste, c'est lui, Radouane Lakhtim, 25 ans, né le 11 avril 1992 à Taza au Maroc. Il vivait à Carcassonne. Il avait été incarcéré pour de petits délits, mais il était surtout fiché S pour avoir consulté et diffusé de la propagande islamiste sur Internet. Et voici son périple meurtrier en trois actes. Premier acte, avant 10h30 ce matin à Carcassonne, Radouane Lakhtim tire sur des automobilistes avec une arme de poing, un conducteur et un passager. L'un est tué, l'autre blessé, avant de s'emparer de la voiture de type Opel. Deuxième acte, vers 10h35, sur l'avenue du Général Leclerc à Carcassonne, Radouane Lakhtim tire sur quatre CRS qui faisaient un footing. L'un de ces CRS est blessé. La balle casse une côte, traverse le poumon, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Troisième acte, vers 11h15, prise d'otage. L'assaillant se réfugie dans le Super U de Trèbes à 5 km, où il crie « Allahu Akbar » et réclame la libération de Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos des attentats de Paris. Dès son entrée dans le supermarché, il tue deux personnes et en blesse une dizaine. Démarre alors une intervention de très grande ampleur. Les forces de l'ordre se mobilisent, le village de Trèbes est complètement bouclé. Les hélicoptères, mais aussi des dizaines de pompiers, des équipes médicales se rendent sur place. À 12h15, l'antenne toulousaine du GIGN est sur les lieux, avec le soutien des policiers d'élite du RAID et de la BRI. Les gendarmes interviennent alors et permettent à une partie des clients retenus dans ce supermarché de sortir. Vers 14h30, l'assaillant est toujours retranché dans le Super U. Son unique otage est le lieutenant-colonel de la gendarmerie dont vous venez de parler, Arnaud Beltrame, qui s'est volontairement substitué à une femme retenue en otage. Lieutenant-colonel qui a posé, vous l'avez dit, son téléphone portable allumé sur la table, ce qui permet de suivre en temps réel la situation dans le supermarché. Et d'ailleurs, à 14h45, justement, on entend des coups de feu dans ce téléphone. C'est ce qui déclenche l'assaut du GIGN, un assaut qui dure moins d'une minute. Radouane Lakhtim est neutralisé. L'otage héroïque, lui, est grièvement blessé. Et puis, vers 16h, eh bien, l'organe de propagande de l'État islamique revendique cette attaque. Merci Jennifer. Voilà, il vole une voiture, tue l'un de ses occupants, suit vraisemblablement ses CRS et blesse l'un d'entre eux avant cette prise d'otage dans le supermarché. Georges, un mot des faits. Est-ce qu'on a, à l'heure qu'il est, une idée des intentions de cet homme? Est-ce que c'était un projet prémédité? Préparé à l'avance. Impossible de le dire pour le moment. Intention, à l'évidence,
de terroriser, ça a été fait. Intention à l'évidence de tuer, ça a évidemment été fait à plusieurs reprises ce matin. L'enquête, elle démarre tout juste. Évidemment, les policiers des services antiterroristes sont à la recherche d'éventuels complices. Il y aura, bien évidemment, on peut l'imaginer, des gardes à vue dans son entourage, dans les minutes ou dans les heures à venir. Et puis l'exploitation de son téléphone portable, de son ordinateur. C'est tout ça, finalement, qui, dans les prochaines heures, prochains jours, permettront de dire ou pas le degré de préméditation de son acte. On peut évidemment d'ores et déjà parler, d'ailleurs le parquet antiterroriste le fait, parler d'assassinat, c'est-à-dire qu'il y a évidemment préméditation. Radouane Lactime n'a pas agi ce matin sur un simple coup de tête. Merci Georges, je sais que vous devez nous laisser. Alors je voudrais d'abord vous demander un mot à chacun d'entre vous. Le terrorisme, les Français l'avaient sans doute oublié. Ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu d'attentat en France. Bien sûr, on entend dire que la menace est toujours là. Vous, ça vous a surpris? Ça ne vous a pas surpris, j'imagine, Christian Proutot? Non, ce n'est pas surprenant dans la mesure où, de toute façon, la situation qui génère ce terrorisme est toujours la même, même si la Daesh est, pour le moment, dans la zone où ils avaient pris possession, où ils avaient créé l'État pseudo-islamique. Ils n'y sont plus, mais ils sont malgré tout partout. Et surtout, la propagande qu'ils ont mis en place continue de faire effet et surtout continue de créer des vocations. Donc il n'est pas étonnant que des gens qui, en soif, en recherche d'identité, puissent trouver cette cause, qui est la cause islamique, en pensant que cette cause est juste. Et que, ou en étant convaincu, ou par les réseaux sociaux, ou peut-être par des islamistes radicalisés, dans des mosquées ou dans d'autres lieux où ils pourraient se réunir, et de donner le sentiment qu'ils vont commettre quelque chose de juste, et d'avoir le sentiment d'une rédemption. On voit bien à chaque fois, c'est toujours des petits voyous. Et on dirait que tout d'un coup, à travers ces actes, que nous qualifions de terroristes, eux ont le sentiment que, à travers une pseudo, action en faveur de Dieu, ils vont trouver une sorte de rédemption et ils suivent cette cause. Alors, je reviens vers vous dans un instant pour les circonstances de l'intervention du GIGN. Nathalie Goulet, finalement, est-ce qu'on a affaire à un acte terroriste, j'allais dire classique, qu'on connaît depuis 2 ou 3 ans, ce terrorisme endogène, comme dit Emmanuel Macron? Oui, écoutez, je pense qu'on avait déjà Saint-Étienne-du-Rouvray, qui s'est aussi passé au milieu de nulle part. On connaît très bien ce type de mécanisme. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est surveiller chaque fichesse qui se promène sur notre territoire. En revanche, vous avez posé la question de savoir si on s'occupait ou pas du terrorisme et si pour nous, c'était une notion qui s'éloignait. Elle s'éloigne tellement que demain, j'organise au Sénat un colloque sur un point précisément avec Nathalie Griesbeck, qui est la présidente de la Commission terrorisme au Parlement européen, parce qu'il faut qu'on fasse un point sur les mesures et puis aussi un point sur les choses qui n'avancent pas. Et on aura peut-être l'occasion tout à l'heure de parler de ce qui n'avance pas. Il y a pour vous des choses qui n'avancent pas. Absolument. Clairement. Oui, et bien on en parlera. Bien entendu, Rocco Contento, oui. Ce profil, Christian Proutot en parlait, petit voyou. J'abonde dans le sens du commandant Proutot. C'est un condamné de droit commun qui, à mon avis, a fait un acte prémédité. Moi, je pense qu'on ne se radicalise pas tout seul. Vous avez toujours quelqu'un au bout de la chaîne, que ce soit sur Internet, que ce soit dans certains types de mosquées. Moi, j'y crois pas. Le fait de se lever un matin et de se dire on va se radicaliser, tuer des gens. C'est un processus qui est assez long. À partir de là, ces terroristes, dans une sorte d'idéal de sacrifice, vont ensuite mourir et vont donner, selon eux, un sens à leur vie. C'est ça. Et on peut noter que ce sont des menaces endogènes. La menace terroriste, la police, elle peut vous dire qu'elle est actuelle. Il y a de nombreux attentats qui ont été déjoués. Tous n'ont pas été médiatisés, mais on est toujours sur la brèche. Deux attentats déjoués, avait dit Gérard Collomb, oui, il y a quelques jours. Peut-être plus. Peut-être plus. Oui, sans doute davantage. Sans doute davantage. On a fait beaucoup de progrès. Bon, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Parce que, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons psychologiques pour l'opinion? Aussi pour l'opinion. Pour l'opinion. Ça ne peut pas susciter des vocations aussi, voilà. Ce n'est pas la peine. Bon. Non, mais il y a un aspect juridique aussi. Déjouer un attentat, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de commencement d'exécution, sinon on saurait qui c'est. Là, ce sont des gens qui, à travers un certain nombre d'investigations,
semblaient vouloir faire quelque chose et on les empêchait d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Voilà, c'est ça un attentat déjoué. Frédéric Ancel, un mot sur la revendication. Est-ce qu'elle est à prendre au sérieux? Le groupe État islamique revendique cet attentat cet après-midi. Vous avez deux hypothèses. Soit le système de franchise, c'est-à-dire que quelqu'un qui décide de perpétrer un acte terroriste pour différentes raisons, mais qui est radicalisé islamiste, comme l'a très bien rappelé d'ailleurs avec courage et lucidité le président de la République, on n'a pas affaire qu'à un terrorisme, évanescence d'un terrorisme de nature islamiste. Il faut prononcer le mot. Ah, il faut prononcer le mot. Mais si vous voulez, pour combattre un adversaire, en l'occurrence un ennemi, il faut le comprendre et surtout il faut le désigner. Ça, en amont, on n'a pas le choix. Est-ce que vous pensez que pendant quelques années, il y a eu une sorte de pudeur ou une sorte oui, de... Oui, sous prétexte de prendre garde à ne pas stigmatiser toute une population. Or, il ne faut pas prendre les concitoyens français d'origine musulmane pour des imbéciles. D'ailleurs, la grande majorité d'entre eux sont tout aussi ciblés, on l'a bien vu à Nice tout de même, il y a deux ans, que les autres. Et on le voit bien dans une partie importante du monde arabo-musulman, l'islamisme radical frappe aussi. Donc l'islamisme, il faut le désigner, c'est un véritable fléau. Il l'est universellement, y compris pour les gens d'origine musulmane. Donc la première hypothèse, c'est quelqu'un qui se dit « je vais disposer d'une couverture médiatique très importante pour mon acte en disant que je suis Daesh plutôt que du groupe X ou Y que personne ne connaît ». Et du coup, Daesh, en aval, découvre ça dans les médias et le revendique sur la base évidemment très volontariste, consistant à dire « bien sûr, sur le plan militaire, nous avons perdu quelques bases en Irak, mais regardez, nous sommes capables de frapper partout ». Je crois à la deuxième hypothèse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une implication islamiste radicale forte et Daesh, pendant quelques années, a porté en quelque sorte les espoirs, notamment lorsqu'il vainquait, mais pas seulement, y compris dans la défaite militaire, portait les espoirs d'un certain nombre de jeunes gens qui se radicalisaient de manière islamiste. Et un dernier point, si vous le permettez, Daesh n'est qu'une forme du fléau. Le fléau, c'est l'islamisme radical. Le mode opératoire, c'est le terrorisme. Ça pourrait être des combats militaires assez classiques, comme ce qui s'est produit en Irak. Daesh va sans doute disparaître sur le plan politique et militaire, mais l'islamisme radical, dans sa forme la plus dure, c'est-à-dire terroriste, va demeurer, et peut-être plus que jamais. On reviendra en détail sur le profil du terroriste tout à l'heure, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête avec vous, notamment Christian Proutot, sur ce qui s'est passé exactement à l'intérieur de ce supermarché. Évidemment, ça frappe les esprits. Évidemment, un supermarché à l'heure de pointe, en fin de matinée, avec des gens aux caisses, des gens dans les rayons, et un terroriste qui fait irruption, évidemment, on peut penser que la cible n'était pas choisie au hasard, et puis c'est un lieu qui n'était pas surveillé. Et je vous propose d'abord d'écouter un homme qui se trouvait à l'intérieur de l'établissement au moment où le terroriste a surgi, et voilà ce qu'il raconte. On a entendu des déflagrations. Ouais. Donc je me suis approché, et puis j'ai vu ce monsieur qui était excité, et qui tenait une arme de poing, et puis un couteau, et qui criait à la Rakba. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de là, j'ai pris mon épouse avec ma belle-sœur et puis des clients qui étaient à proximité. Et je les ai. Il y avait un frigo débouché, donc je les ai mis là, qui se ferme de l'intérieur. Et je suis retourné vers le gars. Et j'ai appelé la gendarmerie. Donc pour leur... C'est quand il vous a vu arriver alors? Ben, donc j'ai appelé la gendarmerie pour leur donner le signalement, sa position, où c'est qu'il était, ce qu'il avait dans les mains. Et là, je pense qu'il m'a aperçu et m'a couru après. Mais bon, j'ai réussi à partir et quand j'ai fait demi-tour, il n'était plus là. Donc après, je suis allé sur une sortie de secours et les gendarmes sont arrivés. Donc j'ai redit aux gendarmes sa position, quoi. Il avait une arme de poing, donc un pistolet, un revolver et un couteau. Et, comme tout le monde, choqué. Choqué, hein. Vous connaissiez les victimes? Non. J'ai vu une victime. Quand je me suis approché, j'ai vu je pense que c'était une personne du magasin qui était à terre. Mais après, je ne savais pas s'il était décédé ou pas. Voilà, et l'assaillant a tué deux personnes, donc en rentrant, un employé, un client, avant de prendre cette personne en otage. Et ensuite, ça a duré 4 heures. Donc le GIGN, qui est arrivé très vite, a tenté de négocier avec lui pendant 4 heures, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui, je ne sais pas exactement quelle est la chronologie, mais effectivement, ils ont essayé de négocier. Et je pense que comme la négociation a deux aspects, le premier est de pouvoir amener à la reddition, c'est possible. Et si ça ne marche pas, bien évidemment, avoir pendant ce temps de négociation eu la,
une approche tactique qui permettait de voir où il se situe, à quel moment on peut intervenir, comment jouer sur l'effet de surprise et utiliser, si possible, la négociation comme effet de surprise. Mais parce que l'idée c'est d'essayer d'obtenir sa reddition et de le capturer vivant. Oui, parce que, je l'ai dit sur d'autres opérations, malheureusement, on le sait, les morts, ça ne parle pas. Et on a besoin d'informations. Et même si on dit que certains terroristes ne parlent pas, il y en a qui parlent. Donc il est nécessaire, autant que faire se peut, d'avoir des gens que l'on puisse déférer à la justice et que les enquêtes puissent être menées au bout pour savoir qui y a dans l'entourage de ces gens, si effectivement ils se sont radicalisés en regardant Internet, ou s'il y a effectivement des gens qui sont là et qui passent leur temps à trouver des soldats, je dis soldats, oui. C'est un mot que... des assassins en puissance. Des assassins en puissance, c'est-à-dire qu'en quelques heures au Cocodanto, on essaye d'en savoir le maximum sur la personne qui se trouve à l'intérieur, de se faire une idée de son profil psychologique, et ça va déterminer aussi les modalités d'intervention. Tout à fait. Le nerf de la guerre, c'est le renseignement dans ce domaine. Oui. Cet individu était fiché S. Alors, il faut pas. Il y a tout un débat sur les fiches S. Il faut bien savoir ce que c'est une fiche S. Hein, on pourrait en parler peut-être. Mais la fiche S ne veut pas dire que vous devez absolument avoir une surveillance active sur cet individu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une alerte qui a été faite sur cet individu. Une fiche S, elle peut être temporaire et peut ensuite s'éteindre. Elle peut monter ensuite en degré. Mais dans le cadre de cette personne-là, il n'y avait pas de signe, à part les délits qu'il avait commis, qu'il allait commettre un attentat. Il fréquentait quelques milieux salafistes. Oui, on en parlera parce que Gérard Collomb a dit, il a brusquement, il est brusquement devenu radicalisé, alors que semble-t-il, il était quand même fiché depuis quelques années. Donc on verra s'il y a eu malgré tout un petit couac là-dessus. Mais la priorité dans ces cas-là pour les policiers du GIGN, c'est sauver des vies, c'est éviter qu'ils ne fassent plus mal. Là, si on a bien compris, c'est parce qu'on a entendu les détonations grâce au téléphone portable du lieutenant-colonel qui était qui s'était proposé comme otage, que l'intervention a eu lieu. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, il est en train de tirer, ça peut être plus grave encore, donc on intervient. C'est exactement ça. Je pense que le dispositif était déjà en place. Oui. Le problème, c'était de trouver le moment le plus opportun, en fonction du fait qu'il y avait la présence du colonel et du téléphone portable qui donnait des renseignements en temps réel, qu'ils avaient décidé du moment de leur intervention, peut-être en créant une diversion avec le colonel. Sauf que les coups de feu ont fait, un peu comme ça s'est passé à Marignane, ont obligé à ce qu'on appelle une intervention dans la foulée, qui est plus compliquée parce que tout le schéma tactique que vous avez mis en place ne fonctionne plus. Donc là, c'est la vitesse d'exécution pour, le plus vite possible, mettre un écran entre l'otage et les preneurs d'otages. Et ce qu'on comprend, c'est que sur tout le territoire français, il y a des unités du GIGN, celle-ci était basée à Toulouse, je crois, qui peuvent intervenir quoi, en une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, c'est ça ? Oui, alors il y a des antennes RAID et GIGN et BRI un peu partout en France. Ces antennes permettent surtout, dans le premier temps de l'opération, de pouvoir amener des éléments qui seront utiles à ce qu'on appelle, dans le jargon, les unités lourdes, celles qui ont plus d'entraînement. Il est bien évident qu'on ne peut pas donner le même niveau d'entraînement aux antennes régionales, qui sont surtout là pour avoir une mise en place plus rapide, une projection, on appelle ça, plus rapide, alors que les unités comme le GIGN ou le RAID, qui viennent en hélicoptère ou en avion, ont besoin d'un certain délai, si j'ose dire, pour arriver sur place. Alors, je voudrais qu'on redise un mot du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Tout à l'heure, quand Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a révélé ce qu'avait été son rôle, il avait la voix qui tremblait d'émotion. Écoutez. Je veux saluer le courage du lieutenant-colonel qui est gravement blessé et qui s'est substitué à l'otage que le terroriste tenait pour se protéger. Donc un acte d'héroïsme comme en sont coutumiers les gendarmes, les policiers qui s'engagent au service de la nation. Le lieutenant-colonel avait laissé son téléphone ouvert sur la table et donc nous avons pu à un moment donné entendre ce qui s'est passé. Et c'est lorsque l'on a entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu. Les coups de feu qui l'ont sans doute blessé, et Emmanuel Macron disait il y a un instant, il lutte actuellement contre la mort. On sentait beaucoup d'émotion dans votre voix, Christian Proutot, quand vous avez évoqué son cas. Oui, parce que
je crois qu'il faut, je le dis, mais tout le monde s'en rend compte, c'est quand même exceptionnel que quelqu'un, fût-il lieutenant-colonel de gendarmerie, décide tout d'un coup, je vais prendre la place d'un otage, j'y vais, sachant très bien tout ce que ça peut engager derrière. Et cet acte... On a beau être formé pour ça, au moment où on décide ça, c'est exceptionnel. C'est pas évident, je peux vous dire que j'en ai rencontré des hommes courageux, et celui-là vaut largement beaucoup plus que ce que l'on dit, c'est un héros. Et je pense que le terme n'est pas galvaudé. Rocco Contanto. Cet officier s'est sacrifié. Il a d'autant plus de courage que n'oublions pas que dans les recommandations entre guillemets de Daesh, les cibles prioritaires sont les agents de l'État, policiers, militaires et gendarmes. Il savait pertinemment qu'il risquait sa vie. Oui, et c'est vrai que beaucoup d'attentats en 2017, la plupart des attentats, 7 attentats sur 10, je crois, ont visé des forces de l'ordre, des militaires, des policiers. C'est une cible privilégiée. Mais c'est une cible intéressante pour les terroristes et les islamistes à deux titres. D'abord parce qu'ils représentent la France, par définition. Ils la symbolisent, ils la représentent. Or, la France et sa société, son système philosophique, sa loi de 1905 sur la laïcité, tout cela est absolument honni et détesté par les islamistes radicaux, d'une part. Et d'autre part, bien évidemment, c'est s'attaquer, j'allais dire, au dur, à la défense, aux remparts. Thucydide disait que les remparts de la cité, ce sont les hommes. Bien, eux, ils sont formés pour ça, c'est leur métier. Et donc, c'est à double titre qu'ils sont particulièrement frappés. J'ajoute un point, c'est que cet acte d'héroïsme suit un certain nombre d'autres actes extrêmement courageux et héroïques. On se souvient de ce jeune d'origine sahélienne qui avait sauvé des gens lors de l'affaire de l'hypercachère, bien sûr, de ce jeune homme à la mobilette qui avait tenté à Nice d'arrêter le camion du terroriste islamiste qui en avait pris le volant, etc. Et je pense qu'une société qui est capable de générer ce type d'actes d'héroïsme et de très très grand courage et d'abnégation est une société qui tient bon face au terrorisme. J'ajoute d'ailleurs que depuis la fin du 19e, la République n'est jamais tombé face aux différentes vagues de terrorisme de nature différente. On a connu le terrorisme noir, c'est-à-dire nihiliste puis anarchiste, les camelots du roi dans les années 30 qui n'étaient pas très loin de ce qu'on appelle le terrorisme aujourd'hui, le terrorisme rouge des années 70, ils ont tous été vaincus en réalité. Bon, alors je voudrais qu'on s'intéresse de plus près au profil de celui qui a commis ces attentats avant de périr sous les balles vraisemblablement du GIGN. Je voudrais qu'on réentende Gérard Collomb, c'est lui qui a donné le plus de détails sur l'opération et sur le parcours de cet homme avant de commettre cet attentat. Écoutez le ministre de l'Intérieur, là encore. Je voudrais d'abord vous confirmer que le terroriste qui a fait 3 victimes a été abattu par une intervention du GIGN. Les faits se sont déroulés de la manière suivante. Ce matin, d'abord, il a agressé le conducteur d'une voiture qu'il a grièvement blessé. Un autre a été également blessé. Il est ensuite parti, a croisé une patrouille de CRS qu'il a blessé. Un CRS a été blessé à l'épaule. Puis il est ensuite arrivé à Trèbes, à l'hypermarché. Il est entré dans l'hypermarché, a tiré et a tué 2 personnes. À ce moment-là, immédiatement, la gendarmerie est intervenue et donc a pu faire sortir une partie des personnes qui étaient là. Le lieutenant-colonel de gendarmerie, qui était avec ses hommes, s'est volontairement substitué à un otage que le terroriste tenait, et donc il est resté avec lui. Le terroriste a tiré, le GIGN est intervenu, et donc a abattu le terroriste. C'est la chronologie des faits. Le terroriste s'appelait Redouane Lagdim. Il avait 26 ans. Il était connu pour des faits de petite délinquance, mais nous l'avions suivi et nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation. Il est passé à l'acte brusquement alors qu'il était déjà surveillé. Le lieutenant-colonel avait laissé son téléphone ouvert sur la table et donc nous avons pu à un moment donné entendre ce qui s'est passé. Et c'est lorsque l'on a entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu. Nous sommes en train de prévenir les familles. Je veux saluer le courage du lieutenant-colonel qui est gravement blessé et qui s'est substitué à l'otage que le terroriste tenait pour se protéger.
Donc un acte d'héroïsme comme en sont coutumiers les gendarmes, les policiers qui s'engagent au service de la nation pour protéger nos concitoyens. Il venait de Carcassonne, donc c'est là qu'il a commis les premiers faits. Et ensuite, il est parti pour arriver ici jusqu'à Trèves, où évidemment, personne ne pensait qu'un tel acte pourrait jamais survenir. Nous sommes dans une petite ville tranquille et hélas, la menace est présente partout. Mais les gendarmes sont intervenus extrêmement vite, faisant en sorte que sans doute il n'y ait pas un massacre dans le magasin. Il a sans doute interpellé pour la libération de prisonniers. On va dire que c'était plutôt un petit délinquant qui à un moment donné est passé à l'acte. Il était connu pour possession de stupéfiants et deal de stupéfiants. Mais on ne pouvait pas dire qu'il allait être un radical passant à l'acte dans les temps qui venaient. C'était plutôt quelqu'un qui était, on va dire, un petit dealer et de ces petits dealers qui, à un moment donné, passent à l'acte, comme c'est le cas aujourd'hui. Il a agi seul, il n'y avait personne que lui. Nous avons par précaution, monsieur le préfet, ce matin avait fait fermer les écoles parce que nous ne savions pas si effectivement il avait agi seul ou il pouvait avoir des complices, mais c'était quelqu'un de solitaire qui est passé à l'acte seul ce matin. Évidemment, nous en saurons plus au fur et à mesure de l'enquête, savoir pourquoi à un moment donné il a tiré pour se procurer une voiture. Pourquoi ensuite, dans sa course folle, il a blessé des CRS qui faisaient un jogging en rentrant dans leur caserne. Et pourquoi il est venu ici, dans ce Super U, et s'en est pris immédiatement aux personnes qui étaient présentes, faisant feu alors que, évidemment, les gens étaient dans une tranquillité absolue. Personne n'aurait jamais pensé ici qu'il puisse y avoir un attentat. Le risque terroriste est aujourd'hui extrêmement fort. Nous n'avions pas connu d'attentat depuis de longs mois, mais comme j'avais eu l'occasion de le dire, chaque jour nous décelons un certain nombre de faits et nous prévenons des attentats. Hélas, celui-ci est intervenu sans que nous puissions nous y opposer. Merci. Voilà, merci. Merci. Alors, premier point de certitude, il a agi seul, c'est ce que dit Gérard Collomb. Sur son profil exact, bon, on en saura sans doute plus puisqu'on apprend ce soir qu'il y a une descente du raid et des perquisitions en cours à Carcassonne autour de son domicile. Là où il y a une zone d'ombre, c'est lorsque Gérard Collomb dit, William Molinier, bonsoir, vous nous avez rejoint, lorsque Gérard Collomb dit, c'était un petit délinquant et rien ne permettait de savoir qu'il allait basculer dans le djihadisme. Or, de toute évidence, il était déjà fiché, donc déjà surveillé. Alors il était déjà fiché, mais être fiché, ça ne veut pas dire être surveillé. Donc Radouane Lakhtim est né le 11 avril 1992, il est né au Maroc, il est de nationalité marocaine, il habite Carcassonne avec ses quatre sœurs et sa maman, là même où il y a effectivement en ce moment une descente du raid pour mener des perquisitions. Il est connu pour trafic de stupéfiants. Gérard Collomb parle d'un petit dealer. D'après nos informations, en 2010, plusieurs faits lui sont reprochés, des violences, destructions et outrages. 2011, détention d'armes. 2014, outrage à agent. 2016, défaut de permis. 2017, détention de stupéfiants. Il avait fait, à notre connaissance, un tour par la casse-prison à Carcassonne, mais il n'avait jamais été incarcéré dans une affaire de terrorisme islamiste. Alors il apparaît au fichier du FSPRT au titre de la radicalisation. Il est fiché S par ailleurs par la DGSI pour avoir diffusé de la propagande islamiste sur Internet, mais il n'était pas surveillé car seul, vous savez, le haut du spectre est surveillé. Il apparaissait comme faisant partie de ces centaines d'individus radicalisés mais qui ne nécessitent pas une surveillance très étroite. Il y a trop de monde dans ces fichiers pour qu'on puisse surveiller tout le monde, c'est ce que vous nous dites. Oui, et surtout, il faut... Alors ce sont les spécialistes qui le disent,
disent, mais il faut environ une vingtaine d'agents pour surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une surveillance très rapprochée d'un seul individu. Bon, c'est pas surprenant quand même que Gérard Collomb dise il était uniquement connu pour des faits de petite délinquance et puis il a basculé brusquement sans qu'on s'en rende compte, alors quand même qu'il était sur ce fichier. Non. Non. Non, il y a beaucoup de gens sur ce fichier. Vous savez, le nombre de radicalisés a terriblement augmenté. On est à plus de 20 000. Quand j'ai commencé à travailler après la lecture de l'excellent bouquin de David Thompson en 2014, parce que la commission d'enquête du Sénat a commencé 6 mois avant Charlie. Parce que avec le bouquin de Thompson, on s'est dit qu'on n'avait pas les outils quand même sur les djihadistes français. Et c'est bien ce qui est arrivé. Bon, on était à 2000 personnes signalées. On est à plus de 20 000 aujourd'hui. Donc Frédéric Cancel a raison. La bataille de l'idéologie n'est pas du tout gagnée. Donc maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est avec qui il était en rapport, où il a voyagé, qui il a rencontré et comment cette radicalisation s'est avérée. Il y a une expression très controversée, celle de loup solitaire. Ah non, non, moi, j'y crois pas du tout. Gérard Collomb a dit qu'il était solitaire. Il n'a pas dit loup solitaire. Mais cette expression, moi, vous la récusez ? Ah, moi, absolument. D'ailleurs, il revendique Salah Abdeslam immédiatement. Donc, il y a des filières. La filière du Maroc, ce sera d'ailleurs extrêmement intéressant de voir si, par hasard, les services de nos confrères marocains avaient un œil sur lui, parce que les services secrets du Maroc nous rendent beaucoup, beaucoup de services. On coopère bien avec eux. La coopération est excellente et on en a absolument besoin. Il faudra voir ce que l'autre côté de la Méditerranée, on en pense. Et puis, on va examiner son ordinateur, son téléphone portable, ses relations, s'il était ou pas pratiquant, qui il a rencontré. Il serait absolument pas étonnant qu'on trouve dans ses communications téléphoniques des gens qui sont surveillés par ailleurs. C'est pour ça qu'il faut surveiller les signaux faibles. J'espère qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Rocco Contento, vous l'aimez pas non plus cette expression Oui, parce que je n'y crois pas du tout. On va me démentir, mais on ne se radicalise pas tout seul. Il y a toujours des connexions qui sont faites avec des personnes, que ce soit physiquement, que ce soit par le biais de communication téléphonique, de messagerie, d'internet. Donc là-dessus, c'est une certitude. L'enquête démontrera, on verra bien, les complicités qu'il aurait pu avoir ou pas, mais ils ne sont jamais seuls à ce niveau-là. Il y a un point quand même intéressant, c'est que visiblement, sa mère et ses sœurs qui ont été sollicitées se sont rendues au supermarché. Pourquoi ? Parce qu'elles ont tenté de le convaincre ? Parce qu'on leur a demandé de tenter de le convaincre ? Alors, William, vous avez des éléments là-dessus ? Ce qui s'est passé, c'est que c'est la mère donc de Radwan Lakhtim qui a appelé ses filles, donc les sœurs de Radwan Lakhtim, pour leur dire que son fils l'avait appelé en se désignant comme étant l'auteur de ces 3 attaques ce matin. Et les sœurs ont prévenu immédiatement les services de police. Elles se sont rendues, 2 sœurs, donc il a 4 sœurs en tout, 2 sœurs se sont rendues sur place avec le beau-frère de Radwan Lakhtim pour tenter effectivement de le raisonner ou en tout cas d'obtenir sa reddition. William, vous allez nous aider à comprendre un document qu'on va passer maintenant. La mère de l'assaillant, qui a été jointe par téléphone, elle ne parle pas très bien le français, si on a bien compris. Une amie était à ses côtés pour faire la traduction et c'était au moment où on a appris que c'était bien son fils qui était l'auteur de l'attaque sur la route, de l'attaque contre les CRS et de la prise d'otage du supermarché. C'est à ce moment-là qu'elle a été jointe. Écoutez. Vous savez où il est, Redouane, en ce moment ? Ouais, c'est pas madame. Moi, je connais. Elle a peur, là ? Qu'est-ce qu'elle a ? Oui, elle est inquiète. Elle pleure depuis tout à l'heure. Ah, et elle a peur. Vous lui avez la réalité ? Et elle est inquiète. Elle pleure depuis tout à l'heure. Elle ne sait pas ce qui se passe. Mais pourquoi elle pleure ? Pourquoi elle pleure ? Parce que son fils, il est sorti, elle ne sait pas où il est, et du coup, elle a peur. Voilà. Apparemment, elle ne connaissait pas du tout les intentions de son fils. Apparemment, elle les découvrait. C'est ce qu'on peut en déduire. C'est aussi ce qu'elle a raconté aux enquêteurs, et c'est la raison pour laquelle les filles, donc ses filles, ont prévenu les policiers et pour tenter de... Pour aller sur place, à proximité du supermarché, pour tenter de le raisonner, d'obtenir sa reddition. Aux uns et aux autres, le fait qu'il ait été sur ce fameux fichier FSPRT, c'est plutôt rassurant ou c'est plutôt désolant, puisque ça signifie que les personnes qui s'y trouvent, hormis le haut du panier, je ne sais plus qui employait cette expression, ne peuvent pas être surveillées. C'est rassurant pour au moins une raison. Les renseignements font bien leur boulot. Ça...
Après, ce qui est, j'allais dire, ce qui est désespérant et en même temps, c'est l'extrême limite de l'exercice de la démocratie. Et il faut impérativement demeurer en démocratie parce que sinon, vous connaissez le débat philosophique, on ressemble à ceux qui tentent de la détruire. C'est que, effectivement, comme le disait, je crois, Christian Proutot tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas eu passage à l'acte, ou tant qu'on n'est pas, en tout cas, dans la démonstration de l'intentionnalité de passer à l'acte criminel, c'est très, très difficile d'arrêter une personne. Alors, vous l'arrêtez et la mettre en garde à vue. Vous la mettre en garde à vue pendant 72 heures, plusieurs fois 72 heures, mais si, à terme, ce jeune homme décide de toute façon, un jour ou l'autre, de passer à l'acte, là, on atteint, malheureusement, les limites de l'efficacité à la fois de la justice et des forces de police. Nathalie Goulet. Oui, les fichiers, quand, vous savez, sur les fichiers S, vous avez aussi des syndicalistes, vous avez des zadistes, enfin voilà. Les zadistes de l'époque. Vous avez... Mais le FSPRT créé en 2015, si je ne m'abuse, après le Bataclan. Ce ne sont que des radicalisés. Oui, mais c'est des gens qui n'ont pas commis encore d'actes délictueux, en tous les cas, pas suffisamment. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que les gens sont inscrits sur ce fichier, il y a un certain nombre d'individus qui sont plus menaçants, qui sont plus dangereux, et donc qui constituent des priorités pour nos services. Et comme nos services ne sont pas extensibles, comme ils ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24, vous savez très bien les difficultés qu'ont les forces de police et de gendarmerie, qui sont absolument épuisées, sentinelles ayant ajouté beaucoup de fatigue et beaucoup de maîtrise de toutes ces forces, on n'a pas assez pour surveiller tout le monde. De toute façon, c'est une certitude. Donc, il y a des priorités, et ces personnes-là ne sont pas prioritaires, parce qu'a priori, ils ne présentent pas un risque imminent. Oui, Rocco Contrento, ça veut dire d'une certaine manière, voilà, ce qui s'est passé se repassera, et il faut se faire à l'idée qu'on n'a pas les moyens de surveiller tous ceux qui, un jour, peuvent déclencher un signalement. Non, nous sommes sous le coup de problèmes aussi d'effectifs, hein, c'est pas nouveau. Je dois rajouter que c'est une mission qui n'est pas facile. Tous ces gens qui sont fichés S, comme le dit le sénateur, il y a diverses strates. Vous avez le haut du panier et le bas du panier. Donc c'est très délicat de percevoir si telle personne ou pas va commettre un acte terroriste ou pas. Oui. C'est très compliqué, c'est très difficile. Et aussi, le renseignement est important. Il y a des personnes qui disent, certains élus, il faut tous les expulser, les mettre en prison. Là, vous tarissez complètement le renseignement. Il faut justement remonter les filières pour suivre ces personnes-là. On ne vous dit pas tout, mais il y a un travail exceptionnel qui est fait à ce niveau-là pour justement pouvoir voir les complicités s'il y a d'autres attentats qui sont peut-être en train de... C'est un outil de renseignement, ce n'est pas un outil judiciaire, ce n'est pas un outil opérationnel. Et on a besoin d'outils de renseignement, ne serait-ce que pour essayer de percevoir quels sont les réseaux, quelles sont les connexions. Christian Proutot, vous vouliez intervenir. Oui, parce que dans le passage à l'acte, sur des gens dont on sait qu'ils sont d'un tempérament suicidaire, jusqu'au boutiste pour la cause, je mourrai pour la cause, le passage à l'acte, si quelqu'un était capable de le prévenir, ça se saurait. Donc, ensuite, en matière de renseignement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la relation qu'il peut y avoir entre tous ces gens qui, à un moment, peut mettre dans la réflexion que l'on fait au niveau de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils vont entamer, qui font qu'ils sont en train de préparer quelque chose. C'est pour ça que je reviens sur le fait que personne ne soit d'accord ici avec la notion de loup solitaire, sauf peut-être moi. Il y a dans un cadre comme celui-là, qui est un cadre où des gens sont, disons, frappés, marqués par ces événements, sont des gens avec un tempérament particulier, et je fais référence également à Mera, des gens qui, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, certains diraient qu'ils pètent un boulon, et ils passent à l'acte. Aller arrêter quelqu'un dans la rue, lui tirer dessus pour trouver une voiture, ce n'est pas un élément constitutif. Oui. Il n'y a pas de préparation. Il y a tout un enchaînement qui conduit à la fin, qui conduit à l'acte ultime du sacrifice. Et en plus, il avait un gendarme à côté de lui. Donc, si on ne veut pas également mettre ça en évidence, on est en train toujours de penser que c'est parce qu'on n'a pas fait assez de choses en amont. Il y a tout d'un coup des choses qui nous échappent. Il faut en être conscient. Oui. Et elles nous échappent parce que la nature humaine est fragile. Dernier point. Ça, c'est quelque chose que tout le monde, d'après vous, doit comprendre et accepter. Absolument. Le risque zéro, ça n'existe pas. Imprévisible, totalement imprévisible. Oui. Par contre, il y a un point également qu'il faut souligner, c'est qu'on a su tout à l'heure qu'il avait voulu être militaire. Comme Mera, il y a toujours à un moment, chez ces types qui sont des petits voyous, le besoin d'aller vers quelque chose, de s'engager, de donner un sens à leur vie.
il faut également le prendre en compte. On ne peut pas, le tout répressif, tel que pourraient l'imaginer certains, ce n'est pas la solution. On n'a même pas parlé du travail en amont. Mmh. On est en aval, là. Donc, il y a une problématique. Cette problématique, elle est qu'on ne peut pas tout gérer et que l'on ne sait pas, à un moment, qu'effectivement, des gens, quand ils ont décidé de devenir militaires, qu'ils ne le sont pas, choisiront d'être le bras armé de quelque chose de pourri pour nous, qui est Daesh, oui, par exemple. Alors, ça nous renvoie à l'état de la menace aujourd'hui en France. Encore une fois, pas d'attentat depuis 6 mois. C'est vrai que beaucoup pouvaient l'avoir oublié. Emmanuel Macron, dans sa première intervention à Bruxelles tout à l'heure, est revenu sur l'état de la menace en France. Écoutez. Il y a aujourd'hui des individus dangereux. Sur la menace terroriste, nous n'avons jamais fait mystère, et le ministre de l'Intérieur l'avait rappelé il y a quelques semaines, du fait que cette menace demeure élevée. Et elle demeure élevée essentiellement parce que nous avons, depuis plusieurs mois, une menace qu'on appelle endogène. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'individus qui se sont radicalisés eux-mêmes. Voilà, endogène, ça signifie, ça n'est pas l'attentat de Charlie Hebdo organisé, planifié depuis l'extérieur, ça n'est pas l'attentat du Bataclan, non seulement planifié, mais organisé avec des terroristes qui venaient du Proche ou du Moyen-Orient, ce sont des personnes qui vivent sur notre sol, qui ont grandi la plupart du temps sur notre sol et qui peuvent passer à l'acte. Est-ce que ça signifie, cet attentat-là, Nathalie Goulet, que aucune partie de la France n'est à l'abri? Ça se passe, encore une fois, à Trèbes, un petit village, ça se passe tout près de Carcassonne. Personne n'aurait imaginé qu'on pouvait frapper là. Enfin, le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était aussi la campagne. C'est aussi la campagne. C'est deux personnes qui se sont rencontrées sur une messagerie, qu'on a fait se rencontrer uniquement pour cet acte terroriste. Donc, je pense que les territoires ne sont pas épargnés. On est à 179 km, j'ai vérifié, de Lunel, qui était quand même une source de djihadistes français partis en Syrie. Le maire de Lunel, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas compris ce qui était arrivé dans sa commune pour qu'il ait cette filière chez lui. Les territoires ne sont pas épargnés. Parce que ça va quand même être intéressant, parce que là, on a quand même du recul, on a le sentiment que tout ça se répète, mais il va quand même falloir attendre l'enquête. Il a bien eu son arme, la façon dont il a acquis cette arme. Et dès qu'on va avoir exploité un peu son ordinateur et son téléphone, on va pouvoir voir. Alors là où je partage complètement ce que dit Christian Proutot, c'est... Pardon, je vous interromps, ce n'est pas une arme extrêmement courante Un 765, c'est un petit calibre. Malheureusement, un petit calibre, quand vous tirez à bout portant, vous tuez quelqu'un. Mais c'est facile de se procurer cette arme-là ? C'est complètement désuet. C'est un calibre qui n'existe même plus. Donc, on se demande où il a pu le trouver. Il aurait une Kalachnikov. On ne compterait pas. C'est terrible de faire un bilan comptable. Mais dans le fond, par rapport à d'autres opérations, malheureusement, qu'on a connues, qui étaient avec des armes lourdes, le bilan aurait pu être beaucoup plus grave, hein, beaucoup plus terrible. Encore plus qu'avec Koulibaly, qui n'a pas tiré au moment, pendant la fin de l'intervention. Il est allé se planter sur les unités. Alors que s'il avait rafalé, mais avec une arme d'assaut, vous tirez à peu près 60 coups à la minute. Hein. Je voulais juste finir ma phrase. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de personnes qui se radicalisent sur le territoire ne diminue pas. Donc la question reste... Ça, on le sait. Oui, ça, on le sait. On avait Luclat qui a disparu dans les limbes, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais l'unité centrale de lutte antiterroriste, le numéro vert, et généralement, ce sont les parents qui alertent sur la radicalisation de leurs enfants, ce qui est quand même très intéressant dans le mécanisme de ces dernières années. Tout le monde a appris à relever ces indices de radicalisation. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que tant qu'on n'aura pas mis en place une politique ex ante, et non pas ex post, c'est-à-dire évidemment pas le tout répressif, tant qu'on n'aura pas pris en main ces gens qui se radicalisent, on aura des problèmes. On va en parler. Il est presque 19h. Et si vous nous rejoignez dans un instant, on va faire le point sur ce qui s'est passé exactement aujourd'hui avec Jennifer Knock. On va rappeler ces 3 attaques et ces 3 morts. Ce sera dans un instant, mais je voudrais continuer sur ce que vous disiez. Le nombre de radicalisés
continue d'augmenter aujourd'hui en France, William. Oui, alors sur, pour refaire un point sur les fichiers et le nombre de personnes radicalisées, il y a 20 000 personnes fichées en France au titre de la radicalisation. La fichesse, donc, qui n'est pas un outil de renseignement de surveillance, mais finalement... Un outil de renseignement, pas de surveillance. C'est, si vous voulez, une conduite à tenir pour les forces de l'ordre en cas de contrôle d'un individu fichier S. Il y a 20 000 fichiers S, dont environ 12 000 pour radicalisation liée à la mouvance islamiste. Ces 12 000 personnes, elles apparaissent au FSPRT, au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Et dans ce fichier du FSPRT, il y a un peu moins de 20 000 noms, donc les 12 000 fichiers S pour radicalisation islamiste, plus tous ceux qui ont été détectés comme radicalisés par les préfectures, par l'éducation nationale, les services sociaux, etc. etc. Rocco Contanto, vous vouliez intervenir. Oui, on est tombé dans une forme d'ubérisation du terrorisme. D'ailleurs, il suffit, avec les défaites à Raqqa et à Mossoul, je ne pense pas... Qui avait soulevé des espoirs, quand même. Tout à fait. Je ne pense pas que Daesh est en capacité aujourd'hui d'organiser des gros attentats qu'on avait eus, comme le Bataclan. On tombe maintenant... D'ailleurs, les déclarations des chefs de Daesh le disent maintenant. Prenez un couteau, prenez une voiture, écrasez des gens. Voilà, les consignes qui sont données, c'est cela. Et c'est vrai qu'il y a un nombre important de personnes radicalisées. Ce qui est important, c'est de former les gens, pas que les policiers, les citoyens, à la détection des signaux faibles. C'est très important. Alors, c'est quoi ces signaux faibles ? Un signal faible, ça peut être, c'est une personne qui s'isole déjà, par exemple, une personne qui va s'isoler, une personne qui va avoir peut-être quelques propos qui vont mettre la puce à l'oreille des parents, du frère ou de la sœur. Donc voilà, ces petits signaux qui peuvent paraître anodins, je pense qu'il faut... C'est ce que vous mentionniez, Nathalie Goulet, quand vous disiez c'est aux parents de téléphoner, c'est Il y a tout un tas de signaux. C'est ceux qui le font en majorité sur la ligne de SOS djihadiste ou le numéro vert qui a été mis en place après Charlie. Non, d'ailleurs, juste avant, en avril 2014, par Bernard Cazeneuve, c'est très souvent les parents qui constatent que le comportement de leurs enfants est différent, à part commencer l'affaire du changement vestimentaire, alimentaire, de l'isolement, de plus de musique, de plus, etc. Parce qu'il y a tout un processus assez banal. Et puis après, il y a des choses un peu plus sérieuses. Et puis les gens ont aussi appris à dissimuler leur radicalisation, qui ne se fait pas à la mosquée, mais qui peut se faire avec des gens radicalisés par ailleurs. Donc c'est pour ça que l'enquête va être extrêmement intéressante. On continue à essayer de comprendre dans un instant. D'abord, 19h passées d'une minute, 3 morts, 16 blessés, dont 2 très grièvement entre la vie et la mort. C'est le bilan qu'a donné Emmanuel Macron tout à l'heure. Que s'est-il passé exactement ? On refait un point avec Jennifer Knock. Jennifer. Trois attaques, Jennifer. Tout à fait. Et voilà d'abord la fiche d'identité en quelque sorte du terroriste. Radwan Laktim, 25 ans, né le 11 avril 1992 à Tazara, incarcéré pour de petits délits, mais était sous fiché S pour avoir consulté et diffusé de la propagande islamiste sur Internet. Et voilà son périple meurtrier en 3 actes. Premier acte, avant 10h30 ce matin, à Carcassonne, Radwan Laktim tire sur 2 automobilistes, un conducteur et un passager avec un petit calibre. L'un est tué, l'autre blessé, avant de s'emparer de la voiture de type Opel. Deuxième acte, vers 10h35, sur l'avenue du Général Leclerc à Carcassonne, Radwan Laktim tire sur 4 CRS qui faisaient un footing. L'un de ces CRS est blessé, la balle casse une côte et traverse le poumon, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Ensuite, troisième acte, prise d'otage, vers 11h15, l'assaillant se réfugie dans le Super U de Trèbes à 5 km de là, où il crie Allahu Akbar et réclame la libération de Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos des attentats de Paris. Dès son entrée dans le supermarché, Radwan Laktim tue 2 personnes et en blesse une dizaine. Démarre alors une intervention de très grande ampleur. Les forces de l'ordre se mobilisent. Le village de Trèbes est complètement bouclé. Des hélicoptères, mais aussi des dizaines de pompiers, des équipes médicales se rendent sur place. À 12h15, l'antenne toulousaine du GIGN est sur les lieux avec les soutiens des policiers d'élite du RAID et de la BRI. Les gendarmes interviennent alors et permettent à une partie des clients retenus dans le supermarché de sortir. Vers 14h30, l'assaillant est toujours retranché dans le supermarché. Son unique otage est un lieutenant-colonel de gendarmerie qui s'est volontairement substitué à une femme retenue en otage, un héros, et voilà son visage, Arnaud Beltrame, 45 ans,
Arnaud Beltrame qui a aussi posé son téléphone portable allumé sur la table, ce qui permet de suivre en temps réel la situation dans le supermarché. Et c'est justement dans ce téléphone à 14h45 qu'on entend des coups de feu, ce qui déclenche l'assaut du GIGN, un assaut qui dure moins d'une minute. Redouane Lactime est neutralisé, Arnaud Beltrame, lui, est grièvement blessé. Et depuis, l'organe de propagande de l'État islamique a revendiqué ces attaques. Merci Jennifer. Et regardez ces images qui nous parviennent de ce quartier de Carcassonne qui était celui du terroriste. Descente du raid, perquisition en cours en cette fin d'après-midi avec des camions banalisés. Beaucoup de policiers donc du raid, de la brigade de recherche et d'intervention encagoulés, fortement armés. On prend toutes les précautions. On prend toutes les précautions. Nathalie Goulet, vous nous disiez... Qu'on va bien entendu essayer de saisir des ordinateurs, essayer de saisir des documents pour en savoir le plus possible sur ce qui a été une possible préméditation de cet attentat et de possibles complicités. Ces hommes portent des gilets pare-balles, vous le voyez, ils sont casqués, ils sont lourdement armés pour intervenir dans cette petite cité populaire située à quelques centaines de mètres des remparts de Carcassonne. Alors, on va se poser cette question. Vous disiez, le nombre de radicalisés, il continue à augmenter. Est-ce qu'on a pris la juste mesure du danger? Notamment, est-ce qu'Emmanuel Macron a pris la juste mesure du danger? Je vous propose d'écouter une autre de ses déclarations de ce matin où il semblait se justifier lui-même de son action. On écoute le chef de l'État. Il est évident que l'ensemble du gouvernement reste pleinement mobilisé. Depuis mon élection, je n'ai d'ailleurs jamais levé le dispositif, au contraire. J'ai maintenu des réunions hebdomadaires du Conseil de sécurité et de défense nationale. J'ai demandé au gouvernement de passer un texte de loi qui a renforcé le contrôle et la sécurisation et les éléments de suivi. Et ce qui vient de se passer montre que, je crois, toutes ces mesures étaient indispensables, en plus du renforcement de la coordination que j'avais décidé. Bonsoir Céline Pina. Bonsoir. Vous êtes essayiste, fondatrice du mouvement Vivre la République, et vous êtes la signataire d'une pétition dont on parlera tout à l'heure, parce que de plus en plus, on entend que la lutte contre le terrorisme passe aussi par la lutte contre les formes d'islamisme radical que sont par exemple le salafisme ou autres. Vous nous expliquerez. D'abord, Emmanuel Macron, on voit bien qu'il ne souhaite pas être pris en défaut. Quelques instants plus tard, il a rejoint Paris. Il était place Beauvau, ministère de l'Intérieur, où s'est tenue une cellule interministérielle. Bref, il a tenu à afficher l'idée que l'État était mobilisé et qu'il était aux commandes. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un président qui a pris la mesure du danger terroriste? Qu'est-ce qu'il a fait réellement depuis son élection sur ce sujet? On a voté un texte de plus. On a augmenté les budgets. Enfin, je suis centriste. Je suis pas dans la République en marche. Mais sur ce sujet, croyez bien qu'il faut avoir un comportement républicain et solidaire. C'est toujours ce qu'on a fait d'ailleurs avec Bernard Cazeneuve, qui avait fait un travail remarquable. Donc on a augmenté tous les budgets, on a augmenté les effectifs, on a essayé de sacraliser la loi de finances pour la LPM, pour les militaires. Pour les militaires, pour l'armée. La loi de programmation militaire, merci. Et aussi, on a voté un texte et le président a annoncé un plan de lutte contre la radicalisation il y a quelques semaines, qui alors là, pour le coup, dont on pourra parler, qui malheureusement n'est pas budgété et pas encore suffisamment organisé. Et si vous deviez résumer en quelques mots les principales dispositions de la loi sur la sécurité, je crois que c'est la 7e loi qui a été votée en 3 ou 4 ans contre le terrorisme. Oui. Qu'est-ce qu'elle a changé concrètement ? Plus de moyens, plus d'effectifs, ça me semble une évidence. Et aussi un changement de paramètres sur l'organisation du renseignement. Je ne suis pas sûre que ça ait été très utile. Je pense qu'il y a d'autres points qui sont vraiment manquants au dispositif. Vraiment, vraiment, il manque des outils. On en parlera dans une minute, je pense, sur la formation des imams, sur un certain nombre de points qui sont extrêmement importants. Je pense que là, on n'a pas du tout pris la mesure des difficultés qu'on... On va en parler dans un instant. Mais sur le plan de la sécurité, on a beaucoup parlé aussi de ce qu'on a appelé, avec un affreux anglicisme, la task force, c'est-à-dire l'idée que, sous la responsabilité directe du président de la République, il y avait une personne, une unité chargée de coordonner tous les services de renseignement.
Ça, coordonner, c'est toujours bien, parce que, si vous voulez, on a quand même un organigramme qui est quand même assez, assez extraordinaire. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, par exemple, mis le renseignement militaire, inclus le renseignement pénitentiaire, à l'intérieur de la communauté du renseignement. Ça n'y était pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire, mais personne ne manque de volonté sur ce sujet. Rocco Contento, vous sentez, vous, la mobilisation là-dessus ? Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut encore plus de coordination entre les forces de police et d'autres agents. Et bon, moi, je ne rentrerai pas dans apporter un jugement sur les propos du président de la République, même s'il est dans une sorte de justification. Mais effectivement, je pense qu'il faut peut-être un peu plus de fluidité dans certaines choses. On est dans une espèce de millefeuille. Là, Pareil. Il faut simplifier tout ça. Et vous, Christian Proutot, même si vous disiez tout à l'heure on peut faire ce qu'on veut, quand on est face à des terroristes de ce type-là, il n'y aura jamais de réponse parfaite. Non, mais oui et non. Il y a effectivement quelques cas qui vont passer à travers les mailles du filet. C'est un filet qui ne peut pas avoir les mailles aussi étroites qu'on le voudrait. Et ce n'est pas qu'un problème de moyens. C'est que si ça ait fonctionné, il n'y aurait plus non plus de truands qui feraient des braquages de banque. Parce que les policiers, on pourrait penser qu'ils ont les mêmes moyens que la lutte contre le terrorisme et qu'ils peuvent arrêter tout le monde. Donc il y a quelque chose qui, de toute façon, n'est pas gérable, ne peut pas être géré complètement. Cependant, le fait de dire, comme l'a dit le président de la République, qu'on allait reprendre possession de zones dites de non-droit, c'est un point qui n'a pas été soulevé tout à l'heure, mais qui est un point important, parce que tout ça, ça démarre d'endroits où personne n'entend, personne ne voit. Donc ça, il faut que ça cesse. Et je voudrais également attirer votre attention sur un point. On parle de radicalisme. C'est du radicalisme d'action. C'est pas de l'intégrisme religieux, pas autant que l'on le croit. Tous les gens, la plupart qui ont été arrêtés ou qui sont intervenus, n'étaient pas du tout des religieux. Ont une très faible culture religieuse. Très faible culture. Très récente, souvent. Très récente, mais la cause qui les a fait avancer, celle pour laquelle ils ont adhéré, celle-là, elle, c'est de l'intégrisme religieux total, inacceptable, mais ils l'ont suivi. Donc ils ont eu un langage que nous, on n'a pas su avoir. Alors, je trouve ça dommage. Oui, Frédéric Ancel, puis je vous donne la parole, Céline Pina. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'instrumentalisation du religieux au profit d'autre chose, au profit de projets individuels, au profit du politique, etc. Sauf que on instrumentalise bien quelque chose qui existe. C'est le sociologue du politique allemand Max Weber critiquait à la fin du 19e le désenchantement du monde. Il y a une forme de désenchantement dans une partie des jeunesses, pas seulement d'ailleurs occidentales. La Tunisie a envoyé le premier contingent entre guillemets de djihadistes en Syrie et en Irak. Pourtant, ce n'est pas l'Occident. Donc, il y a une forme de désenchantement et si on ne réenchante pas ce que nous sommes, quelles que soient nos origines sociales, religieuses, politiques, bien évidemment, au sein de la République, avec cette idée tout à fait formidable qu'a rappelé le ministre de l'Intérieur, cette idée de nation, bien, on va laisser un certain nombre de jeunes gens, dont certains d'ailleurs voulaient entrer effectivement, soit dans l'armée, soit dans la police, et étaient peut-être prêts à rejoindre en quelque sorte le consensus national et républicain, on va les laisser dériver. Donc je reviens sur ce que je vous disais. En amont, il y a bien évidemment la lutte contre un fléau idéologique qui s'appelle l'islamisme radical et qui manifestement donne tout de même des idées à un certain nombre de terroristes parce que, à ma connaissance, ces dernières années, personne n'a hurlé « Bouddha est grand ». Voyez-vous, donc on a bien un problème et qui d'ailleurs qui touche encore une fois et qui porte ombrage à l'immense majorité des gens d'origine musulmane qui vivent leur islam de manière pacifique. Alors, qui tue plus de musulmans que d'occidentaux. Et qui tue plus de musulmans que de chrétiens. Alors Céline Pina, c'est aussi votre préoccupation puisque vous êtes l'une des signataires de cet appel qu'on découvre et qui a été publié dans le journal Le Figaro en début de semaine, l'appel des 100 intellectuels, journalistes, polémistes parfois. On va découvrir cet appel contre le nouveau totalitarisme islamiste, là je vous cite, qui cherche à gagner du terrain par tous les moyens, un apartheid d'un nouveau genre, le développement du port du voile, dites-vous, instaure une séparation entre les sexes, ces dérives s'opposent à l'universalisme républicain, un ségrégationnisme de nouvelle manière qui s'affirme avec la sécession d'une partie de la communauté nationale. Christian Proutot, c'est ce que vous disiez quand vous parliez de quartiers séparés, même si avec le voile, peut-être vous y allez un peu fort, Céline Pina, mais on va en parler. Mais est-ce que vous établissez un continuum entre cet islamisme politique et cette violence à laquelle on a assisté aujourd'hui, est-ce que l'un est directement lié
à l'autre. Oui, même si, bien entendu, le glissement de l'un à l'autre n'est pas évident. Mais il se trouve qu'en règle générale, quand quelqu'un va passer à l'acte, c'est qu'en général, on lui a bien échauffé la tête et qu'on a rempli sa cervelle d'un certain nombre de justifications. Et en même temps, Christian Proutot disait il y a un instant que souvent, ce sont des personnes qui ont une très faible culture religieuse. Alors attention, on peut avoir une très faible culture religieuse et être profondément croyant. C'est-à-dire qu'à côté de ça, vous avez des gens qui sont très étonnés parce que quand ils parlent à des gens prêts à se tuer et qui leur parlent des 72 vierges au paradis, ils y croient aux 72 vierges. Il y a, dans une des analyses qui avait été faite en Tunisie sur le fait de savoir pourquoi il y avait autant de jeunes Tunisiens qui étaient partis, il y a certains intellectuels tunisiens qui ont parlé de la misère sexuelle en disant « Mais Daesh, c'est des femmes offertes ici, maintenant et aussi dans l'au-delà ». Donc on peut avoir un très très faible niveau intellectuel, on peut avoir un faible niveau de connaissances religieuses ou spirituelles, mais néanmoins croire, j'allais dire, les paysans qui allaient dans les églises, ils n'avaient pas forcément une connaissance théologique extrême, on leur racontait des petites histoires et ils y croyaient. Donc ils y croient dur comme fer, il ne faut pas ôter cela, parce que sinon on ne comprend pas la facilité qu'il y a à mourir. Mais derrière la facilité à mourir, il y a une facilité à tuer. C'est beaucoup plus facile de tuer des gens si on vous explique que vous n'avez plus rien à voir avec eux. On vous explique que l'humanité n'est pas un tout. Dans l'humanité, il y a ceux qui sont vraiment humains et ceux qui le sont moins. Sont en général vraiment humains, le mâle, la femme, ça se discute. Et vraiment humain, pour ces gens-là, celui qui pratique non seulement la religion, l'islam, mais qui la pratique comme eux veulent qu'elle soit pratiquée. Est-ce sinon, que vous n'y allez pas un peu fort quand vous mettez le port du voile dans cette... dans ce manifeste? Alors, pas du tout. Parce qu'on comprend pour une forme de salafisme, enfin le salafisme même d'une manière générale, qui prône finalement une société parallèle. Mais est-ce que le port du voile, vraiment, l'assimiler à ça? Je trouve quand même très désagréable, je vais vous le dire, ceux qui font ce genre de remarques, en général, sont des hommes. Pourquoi? Ils ne sont pas concernés. Le port du voile n'a jamais concerné les hommes. En revanche, on est quand même censé être dans une société dans laquelle l'égalité homme-femme est la base de tout. C'est même la base, j'allais dire, de notre démocratie. Quand, on salue Christian Proutot qui nous quitte. Et Alain Bauer qui s'installe. Allez-y, Céline. Si on accepte qu'on puisse remettre en cause l'égalité entre les hommes et les femmes, et qu'on dise que toutes les femmes qui osent protester détestent l'islam, sont islamophobes, sont racistes, on ne va pas s'en sortir. Je pense, et ça c'est la première chose. Deuxième chose, le port du voile, surtout quand c'est un voile intégral noir, est extrêmement visuel. Le pouvoir, ça se montre, je dirais même que le pouvoir, ça s'exhibe. Quand vous voulez démontrer que vous tenez un camp, le fait qu'il y ait beaucoup de femmes voilées, c'est très important. Et troisième et dernière chose, quand la femme est la propriété des hommes et la propriété du clan, le but du jeu, c'est qu'elle ne puisse pas aller épouser ailleurs. La femme, normalement, est un facteur d'échange. C'est celle qui crée les relations entre des tribus, par exemple, différentes, entre des mondes différents. À partir du moment où vous êtes sur de la pureté raciale, vous enfermez les femmes dans votre clôture communautaire. Et c'est pour ça que même Khomeini, quand il a pris le pouvoir, la première chose qu'il a fait, ça a été de voiler les femmes. Si ça ne vous dit pas que la question du voile est une question de pouvoir, alors je ne sais pas quoi faire. Bon, en tout cas, c'est votre analyse. Je précise que cette tribune, elle a reçu des soutiens politiques, celui de Manuel Valls, celui de Valérie Pécresse ou de Xavier Bertrand, Nathalie Goulet. Peut-être juste dire une chose, c'est que les soins intellectuels, et d'ailleurs, Frédéric Ancel, vous Frédéric avez signé Ancel aussi en cette fait tribune. Partie. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que quand on est un intellectuel, on n'a que sa voix, on n'a que sa réputation, on n'a que ce que l'on est. Ce sont des sujets qui sont des sujets clivants, qui sont des sujets difficiles, qui sont des sujets sur lesquels on est attaqué en termes de réputation. Moi, je voudrais surtout dire que ces 100 personnes ont posé un acte de courage parce qu'elles ont voulu rappeler aux politiques leurs responsabilités. Bien. Et ça, c'est une belle chose. Et ça prouve que des valeurs et les principes, on y croit encore. Et que les idéaux, il y a des gens qui sont même prêts à mettre leur réputation pour que... Nathalie Goulet, laissons de côté cette question du voile peut-être. Mais est-ce que vous établissez, vous aussi, un continuum entre l'islamisme politique? Alors peut-être pas tous les islamismes politiques, parce que malgré tout, on voit peut-être des formes d'islamisme politique. Je ne sais pas si on aura un accord là-dessus, mais...
qui se veulent compatibles avec la démocratie, mais entre les formes d'islamisme politique radicaux et le terrorisme. Écoutez, je dois dire que la première mission de la commission d'enquête à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure a chuté dans son efficacité à propos d'un hashtag « pas d'amalgame ». C'est-à-dire que le lien, juste après Charlie, entre l'islam radical et le terrorisme, il fallait surtout pas en parler, surtout pas... Bon. Je note avec intérêt que le président a changé de braquet de ce point de vue-là et que le lien est fait et il est évident. Bon. Donc on a un problème. On a un problème en France, en plus, avec la loi de 1905 de séparation de l'église, des églises et de l'État. Bon. Donc oui, il y a un continuum. Oui, il y a des gens qui se convertissent à l'islam pour ces missions-là. Et oui, il faut absolument protéger nos concitoyens de confession musulmane de façon à ce qu'ils exercent leur culte dans les meilleures conditions, des façons égalitaires et républicaines avec les autres cultes présents sur le territoire. Et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. J'allais dire, ça va être compliqué si le porte-parole même du gouvernement, lui, ne fait pas la distinction entre musulmans et islamistes. On a eu un Benjamin Griveaux qui, à la sortie de cette tribune des 100, qu'il n'a probablement pas pris le temps de lire, a accusé a expliqué que c'était stigmatisant. Or, dénoncer l'islamisme, c'est pas dénoncer l'islam. Combattre les islamistes, c'est protéger les musulmans. Qu'un porte-parole du gouvernement confonde, c'est très inquiétant. C'est vrai que Benjamin Griveaux a désapprouvé votre tribune assez clairement. Alain Bauer, criminologue, spécialiste du renseignement, vous venez notamment de publier Les guetteurs aux éditions Odile Jacob, où vous avez tout simplement pu vous entretenir avec la plupart, même tous les grands patrons du renseignement français passé ou actuel. C'est un ouvrage très riche, mais je voudrais d'abord vous entendre sur cette question-là. Au soir de cet acte terroriste, est-ce que vous, vous établissez aussi un lien? Et est-ce que vous vous dites, pour lutter efficacement contre le terrorisme, la bataille se situe aussi sur un terrain politique et culturel, et il faut lutter contre l'islamisme politique? D'abord, pour lutter contre le terrorisme, il faut comprendre ce contre quoi on lutte. Or, nous projetons des mots qui n'ont pas de sens, des concepts qui n'ont pas de contenu, et nous les référons essentiellement à notre propre culture comme si elle était universelle. Alors, quel mot ? Elle est universelle. Tous, radicalisation qui ne veut rien dire, islamisme, islamiste qui fait l'objet d'un débat relativement développé. Et voilà. Pourquoi moi, radicalisation, ça ne veut rien dire ? Parce que ça ne veut rien dire. Moi, un radical, c'est un monsieur avec une barbe qui était extrêmement laïque, un radical chez les Anglais, il cassait des machines parce qu'il voulait protéger les ouvriers. Donc, si ce mot a du sens, faut me dire lequel. Quels mots ont du sens pour vous ? Pas ceux que nous utilisons, et c'est une partie du problème. La connaissance de l'adversaire, l'analyse de l'ennemi, le fait de savoir comment on les appelle. Par exemple, il y a une culture en France qui voudrait qu'on utilise le mot Daesh comme si l'arabe était devenu la langue nationale du pays, parce qu'on n'ose pas assumer le fait que le nom de l'État islamique, c'est État islamique. Alors le fait de dire État islamique en arabe, pour ne pas le dire en français, est quand même une curiosité. Ces espèces de pudibonderies étonnantes, surprenantes. Le fait de ne pas connaître son adversaire, c'est se résigner à ne jamais gagner. Donc il y a un moment, il faut faire son travail. Voilà. Les politiques ont été les premiers à dire ne dites pas État islamique, État islamique, dites Daesh. Et ici, on a toujours dit groupe État islamique. Oui, bien sûr, mais vous pouvez le qualifier, pseudo, proto, voilà. Vous pouvez rajouter tous les adjectifs. Si je considère que David Pujada, c'est un nom que je n'aime pas, je ne vais pas vous appeler, comment DP. Bon. Mélanie Joubert, chère Mélanie Joubert, voilà, ça n'a aucun sens. C'est l'acronyme. Il faut assumer. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, il est que nous avons un débat entre les plus grands intellectuels spécialisés du sujet, qui sont Olivier.